Hey yo, c'est Culture Chronique, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer des systèmes d'exploitation avec une clé USB. Donc pour ça, on va se servir de l'utilitaire Rufus qui permet de faire des clés USB bootables. Donc le fonctionnement est super simple, on branchera la clé USB, après on n'a plus qu'à démarrer l'ordinateur pour installer un système d'exploitation. Donc Rufus prend en charge pas mal de systèmes d'exploitation différents, parmi lesquels CentOS, Debian, ARN's Boot CD, donc ça c'est pas mal, c'est un utilitaire qui permet de réparer son PC, donc il y a plein d'outils à l'intérieur, Raspbian, Ubuntu, Windows 8, Windows 8.1, Windows 7, Windows 10, etc, les Windows Server aussi. Alors pour le faire fonctionner c'est super simple, il va déjà falloir le télécharger, donc pour ça il faut se rendre sur le site de Rufus, rufus.ie, on descend un peu et on clique sur Rufus 3.4 et donc ça va le télécharger automatiquement. Une fois qu'on l'a téléchargé, on va obtenir ceci, donc il n'y a même pas besoin de le décompresser, rien du tout, et on double-clique dessus, ça se lance automatiquement. Alors je tenais à préciser, il y a pas mal d'utilitaires comme Rufus, c'est pas le seul, il y en a d'autres. Après Rufus a plusieurs avantages, déjà il n'y a pas besoin de l'installer et en plus il est super rapide. Donc j'ai juste double-cliqué dessus et ça m'a ouvert cette fenêtre. Donc périphérique, on choisit sa clé USB, donc moi j'en ai branché qu'une de clé USB donc je peux pas me tromper. Après, il faut sélectionner une image ISO, une image disque, en cliquant sur Sélection. Donc bien sûr, les systèmes d'exploitation, il faut les télécharger au préalable. Mais bon, la plupart, ils se téléchargent gratuitement, que ce soit les Windows, les Linux, ou même les autres. Donc là, par exemple, on va faire une clé bootable Windows 10. Donc je sélectionne le fichier image Windows 10 que j'ai téléchargé sur le site de Microsoft. Et après, je clique sur Ouvrir. Donc là, on voit bien, type de démarrage Windows 10.iso. Après, on peut modifier le schéma de partition. Moi, je vais le laisser. Système de destination, je vais laisser ça comme ça. FAT32, je peux laisser aussi, formatage rapide, une passe. Il y a juste à cliquer sur démarrer en fait. Donc je vais chronométrer le temps que Rufus met à créer la clé bootable. Et pendant ce temps, je couperai la vidéo pour pas que ça soit trop long. Démarrer. Donc ça nous prévient que toutes les données vont être effacées. Donc il faut bien vérifier que c'est bien notre clé USB, qu'on fait pas d'erreur. Et après, on met OK. Alors voilà, la clé bootable est prête. Il m'a fallu environ 6 minutes avec une clé USB 2.0. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est tout simple. Si on veut installer notre système d'exploitation, il suffit de brancher la clé USB et de démarrer l'ordinateur. Alors ensuite, selon la configuration du BIOS, soit on va pouvoir commencer l'installation de suite, soit il va falloir au démarrage du PC tapoter sur une touche. Donc ça va dépendre de la marque de votre ordinateur. Donc ça peut être échappe, ça peut être 1DF, donc F2, F12, F8. Ça peut être la touche supprime pour choisir de démarrer sur la clé USB. Sinon, si le BIOS est déjà configuré pour booter en premier sur une clé USB, ça va démarrer tout de suite et on va pouvoir installer directement le système d'exploitation. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Après, comme je disais, il existe d'autres utilitaires qui font la même chose. Rufus, c'est juste un des plus connus et un des plus réputés. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu. Comme d'habitude, allez faire un petit tour sur culturechronique.fr, sur mon Facebook ou mon Twitter. Et surtout, passez une bonne journée et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !